Bonjour et bienvenue sur Gaming Takuma pour la suite des aventures de Lara Croft tombe dans les fourrés, Lara Croft trébuche sur les cailloux et Lara Croft refuse de manger des cadavres. Dans la session précédente, nous avons vu comment Lara arrive sur une île qui a l'air abandonnée après s'être échouée dans son bateau et avoir été enlevée par quelqu'un de mystérieux, attachée, s'échapper d'une grotte, éviter un vieux stalker bizarre qui essayait de lui attraper les chevilles pour lui voler ses chaussettes et les renifler le soir au coin du feu. Et du coup, on va enchaîner. Maintenant sur la suite, si j'arrive à mettre en place mon petit setup qui va bien, parce que là ça va pas. Excusez-moi deux secondes. Voilà. Hop. Non, ça va pas. Voilà, donc du coup, on avait tué des chevreuils et on avait gagné un point de compétence. Du coup, on reprend. Ah. Capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross, Lara, tu es en vie? Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Ah, viens me chercher. Non bah, oui. Enfin, je sais pas où t'es déjà, donc du coup, ça va déjà être compliqué de venir te chercher. De la musique? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on trouve des cadavres de mecs chelous. On attend de la musique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un club de disco ou quoi? Moi je crois. Oh là, il y a un truc qui brille là-haut, regardez. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Une porte ouverte dans un vieux bunker. Ça pue la merde. Je me casse. Est-ce que je peux monter par là pour aller atteindre ce truc qui brillait tout à l'heure? Oui, apparemment c'est par là. Apparemment c'est par... Ah, là-haut. Hop là, hop là. Voilà. Oh, des flèches, dis donc. Et encore un... Peut-être des coordonnées. Petit Godmichet. Tu voulais qu'on les trouve. C'est un petit œuf vibrant pour le plaisir féminin. Bon, alors j'imagine qu'évidemment il faut rentrer dans cette sombre demeure. Oh, ça pue la merde. Excusez-moi. Mais ça pue l'alcoolisme aussi. Combien il y a de canettes et de bouteilles de whisky qui traînent par terre? Je vais passer par là. Ah, super idée. Lara, dans un film d'horreur, c'est elle qui meurt en premier. Je vous le spoil comme ça. Vous faites un film d'horreur avec Lara Croft. La première gonzesse, la première personne qui va dire « Moi, je propose qu'on se sépare. » Et qui disparaît au bout de 10 minutes, morte. Allez. Même pas peur. Et en fait, on découvre à la fin que c'était elle le tueur. Ce qui explique pourquoi elle agissait bizarrement depuis le début. Qu'est-ce que... Ah, c'est cassé. Appuyez sur B pour vous laisser tomber. Oh là là.
des signes d'entrée de métro en japonais. Incroyable. Attendez, je fais appel à ma traductrice officielle. Qu'est-ce qui est écrit sur le panneau ? Ah, c'est la sortie d'urgence, voilà, c'est la sortie de secours. Très bien, la sortie de secours. Et eh ben je vais l'utiliser tout de suite et je vais m'en aller. Alors là, il y a Jésus, voilà, je le reconnais. Je le connais bien, c'est un ami à moi. Et ça veut dire, parce que je parle couramment l'indigène japonais, ça veut dire, viens, on va te manger. Ce sera super. Oh là là. Alors je vous rappelle, bah, des grosses bêtises. Je vous rappelle que dans le premier épisode, on est tombé sur un pic qui nous a traversé de part en part au niveau de la hanche gauche. Et que là, on est en train de marcher dans des eaux qui stagnent depuis des centaines d'années peut-être, pleines de bactéries et de virus. Je vous raconte pas hein, le typhus, tout ça. On est bien. Je pense qu'on est bien. Si Lara ressort de cette île, de toute façon, elle sera morte à cause des virus dans les deux jours qui suivent. Ah, je pense que là, ils comptent le nombre de canettes de bière qu'ils ont bu, hein, et non pas le nombre de gens qu'ils ont tués, évidemment. Oh non, c'est de la folie. Non, c'est juste une cabane. Enfin, je suis pas sûr. Hein. On peut cramer des trucs. Voilà. Attendez, no one lives, ce qui veut dire en français, soyez les bienvenus. Je parle couramment anglais, c'est l'avantage d'avoir fait de longues études. Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Très bien, alors attendez, examinez pour trouver des informations cachées. Je pense que c'est dans son nez. Ah non, c'est pas dans son nez, c'est dans son oreille peut-être. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. Ah non, c'est pas de la peinture. Les personnes qui utilisaient ce masque étaient issues de la noblesse. Lara, comme tu es naïve, regarde à quel endroit ça se trouve. Au niveau de la narine. C'est blanc, c'est de la poudre, c'est près de la narine, c'est de la cocaïne. S'il te plaît, respecte-toi Lara, quand même. Qu'est-ce qu'elle est naïve. Ok, donc c'est super. Ces mecs-là aiment poser leurs mains pleines de peinture un peu partout. Très bien, je note. On a une caisse. Qu'est-ce qui se passe? On a gagné de l'expérience, d'accord. Les caisses servent à garder de l'expérience. La porte ne s'ouvre pas. Mais comme on a tout cramé... Ah, je pense qu'il voue un culte à la canette de bière en verre. Très très connu dans l'est du Japon. Le culte de la canette de bière vide. Ah, les gigots d'agneau. Bim, on a gagné. Ouais, j'aurais pas dit un piolet. Hein. J'aurais plus appelé ça un couteau au bout d'un morceau d'os. Est-ce qu'on a le droit d'arrêter cette musique infernale? Non, ça on peut pas. Hop. Mais ça sert à rien, j'aurais pu sortir par l'autre côté, non? Allez, bam. Mais non, mais c'est cool, on casse des portes, c'est important. Porte numéro 2, bim. Pam 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 pam. Non, il y a Chui, ça veut dire attention. Il y a sortir, et après le reste, je ne sais pas. Que dit le traducteur ? Attention au loup ! Ah, moi je croyais que c'était un chien. Et là, tout d'un coup, ça vient de prendre un turn bizarre, où en fait, c'est un loup. Et bah, non, mais on va retourner de l'autre côté, finalement. Bon, bah, salut, hein ! Non, je déconne. On n'a pas peur du danger, on est à Lara Croft, quand même. Voilà, allez hop. On grimpe vers les loups. Vous saurez que voilà, les mecs ont essayé de faire un truc accurate au niveau des panneaux. Ok.
qui sont vraiment écrits en japonais. Moi, je propose qu'on éteigne cette torche, histoire de pas se faire repérer par tous les PNQ du pays. Apparemment, oui, si, voilà. Quoi ? Sam ? Tu as entendu ? Non. Oui. On a fait du feu, cherche la fumée. On est en route. Vous sentez la tension qui monte là ? Et bim ! Vous avez eu peur ? Si vous avez eu peur, c'est drôle. Sinon, je suis un connard. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Un enseignant ? Vous m'avez pris pour un enseignant ? Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la reine solaire. Oui, Himiko. Non, Himiko. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue. Eh bien, pour une asiatique, elle a un accent dégueulasse. Il y a environ 2000 ans, la reine Himiko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Histoire. Himiko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons. Depuis les montagnes jusqu'au... Quoi ? Mathias ? Hein ? Sam ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Sam ! Elle s'est endormie comme une truite. Ah ! Ah ! Sam ! Vous inquiétez pas, ça va, j'ai pas mal. Je pense que c'est un piège à loup, hein, rapport avec l'affiche à propos des loups de tout à l'heure. Bon bah, je sens qu'on va bien s'amuser. Calme-toi. Boum ! Une flèche dans la patoune, ça l'a calmé direct. Je te vois. Boum ! Grâce au Dolby Surround, je t'entends. Bam ! Bim bam boum badaboum. Paf la pastèque. Ah bah la fameuse cavalerie. C'est la fameuse cavalerie qui arrive quand on l'attend plus. Ah. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Oui, maman aussi. Ça fait du bien de vous voir. Oui. Je peux looter les cadavres des loups par contre. Elle était avec toi. Elle était là. Avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hey, oh, 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 hé, hey, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Très bonne idée. Avec elle. Non, je vais y aller. Vous
savez vous servir de ça? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Pourquoi c'est moi qui me tape le connard? Ça va aller? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Très bien, ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Oh là là, le mec a l'air d'être d'un niveau de compétence incroyable. C'est fou comme le fait d'être avec cette personne à côté de moi, je me sens vachement plus en insécurité. Ah, un livre. Cool. Un livre. Je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Himiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Oui, c'est génial, super. Tu nous raconteras la suite au prochain feu de camp. Sinon, ça va être beaucoup trop long. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Je peux allumer une torche. Ça, c'est la bonne nouvelle. On peut cramer ce truc-là. Pour en gagner les bienfaits. Non, je voudrais éteindre cette torche. Une caisse. Est-ce que je peux casser la caisse? Oui. Je gagne des matériaux pour améliorer vos armes dans les camps. Alors, où est-ce que je me suis battu contre les loups? C'était là en bas. Oh. Bonjour. Comment allez-vous? Ah. Piolet trop fragile. Bon, en même temps, elle a pas essayé de l'utiliser. Elle a juste utilisé ses mains. Du coup, de ce côté-là, il y a quoi? C'est par là où je suis arrivé tout à l'heure, c'est ça? Le moment suspense, la montée des escaliers, tout ça, les ombres. Oui, c'est ça, je me rappelle. Du coup, ok, donc c'est par là-bas qu'on a tué les loups. Est-ce que je peux récupérer des flèches? Non. Ils m'ont redonné toutes mes flèches que j'ai utilisées pour tuer les loups. Super, tu pourrais fermer ta gueule et éviter d'attirer tous les loups du pays. Mais ta gueule. Il y a des loups, tu te rappelles pas qu'il y a des loups, j'ai failli me faire bouffer. Les loups, ils gueulent à travers le pays. Oui, je t'ai vu, cerf. Oui, je t'ai vu, lapin. Une caisse, regardez. Quelle belle trouvaille. Hop, un, hop, deux. On plie les genoux, on force sur les chevilles. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, je parle couramment le Jésus et c'est écrit ici, c'est mes toilettes, ne pas entrer. Bon bah, tant pis, on n'y va pas alors. Un autre livre. Lara est en pleine crise de confiance. Très bien. Lara est en pleine crise de confiance. Non, en fait, je vais vous faire juste des teasers des bouquins. Vous aurez la première phrase. Lara est en pleine crise de confiance. À vous de deviner la suite. Mets-moi dans les commentaires si tu as deviné la suite. Ah, j'ai pas appuyé, hein, donc du coup c'était automatique. Ça m'a automatiquement allumé cette torche. Cela ne me dit rien qui vaille. Ah, c'est un tombeau DLC. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on est à quoi? 20 minutes. On viendra après. On finit cet épisode. Et l'épisode bonus sera la tombe de machin truc. Je vous propose ça. Parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Et que je voudrais pas augmenter la durée de cet épisode. De façon significative. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Merde, des loups. J'ai touché. Ah, j'ai pas eu le deuxième. Excusez-moi, arrêtez. Ah non, mauvais bouton. Et je suis décédé. Oui, mais c'est un jeu, faut avoir des réflexes. J'ai oublié de vous le dire, mais moi, les réflexes, c'est pas mon truc. Attendez, les loups, ils étaient là-haut. Est-ce que je peux les avoir d'ici? Est-ce qu'on les voit maintenant? Non. À partir de quel moment ils apparaissent?
Ah, ça a bougé ça, non? Alors ils sont plus là? Y'en a un autre? Oh! Salaud! Vilain chien! Aouh! Attendez, je ne sais pas où il est. Je l'ai perdu. Vous auriez quand même pu me prévenir pour les loups, docteur. Mais tu te doutes bien qu'il savait pas qu'il y avait des loups. Parce que vu la compétence du mec, s'il avait croisé les loups, il serait déjà mort. Comme moi, juste avant, en fait. Vu que le mec est déjà pas foutu de tenir un pistolet dans le bon sens. Où était l'autre loup? Là, c'est là. Ah, parce que je peux peut-être récupérer certaines de mes flèches, voilà. Vous avez vu, on n'est pas mort deux fois. On a failli mourir une deuxième fois, mais on n'est pas mort deux fois. Et ça, ça c'est ce que j'appelle le talent. Attendez, il y a un truc là-haut. Il y a un truc, j'ai l'impression qu'il y a un truc, oui. Une caisse de matériaux. Hop. Attendez, à tous les coups, il y a un truc caché, genre, sous le pont. Ha ha! Je le savais. Les acteurs de nos penchaient la tête vers le haut ou vers le bas, afin que le masque exprime différentes émotions. Ah bon? Regardez. Vers le haut. Ça représente la constipation, je pense. Ça, c'est la constipation. Si, si, je sais. C'est quand ça fait 3 jours que vous essayez de chier, mais que ça sort pas. Vous voyez ce visage? C'est ça. Et là, c'est... vous mangez un truc, mais c'est pas très bon. Vous voyez quand vous mangez un truc, c'est vraiment, vraiment pas bon. Vous voyez, genre la personne, elle a mis aucune épice dans son plat, elle a cuit des épinards à l'eau, elle vous a servi comme ça, elle vous a dit genre, vas-y, mange, c'est bon. Voilà. Je ne sais pas, les différentes émotions, je n'ai pas compris. Oh! Ah si, je connais cette expression. C'est l'expectative. Genre, quelqu'un vous dit un truc et vous êtes là, genre, mais... Je la connais bien, celle-là. Alors, attendez, on cherche un indice qui est caché quelque part. Mais là, je vois pas, hein. Hein? Ah non, mais il n'y a pas de... Ah non, mais attendez, je cherche un indice, mais il n'y a pas d'indice, en fait. Ok, d'accord. Très bien. Je vous fais perdre du temps sur cette vidéo. C'est mon cadeau. Du coup, j'imagine qu'on va tomber sur d'autres loups à d'autres instants. Prends quelques flèches. Oui, alors on court pas tout de suite immédiatement à l'aventure. J'espère que vous m'en excuserez. On visite un petit peu quand même. On profite un petit peu du jeu. Hein. Il y a une caisse là-bas. Je ne l'avais pas vue. Oh là, il y a encore la musique de l'enfer. Allô? Il y a quelqu'un? Des fiches. Attendez quoi? Il y avait une plante. Il y a une plante! Boum! On va bientôt gagner un niveau à force de ramasser des plantes. Et des matériaux. Ah non, les matériaux ça rapporte pas d'expérience. On peut tirer une flèche dans le cul du chevreuil par contre. Ça rapporte toujours de l'expérience. Une flèche dans le cul du chevreuil. Hop! Et bim, ça a fait des chocs à... Encore une là. Attendez. Non mais à quoi ça sert ça? Me dis pas que tu vas te noyer dans le petit ruisseau là. Le pont là, c'est pareil, il y a un truc caché à tous les coups en dessous. Oui, oh regardez. Un idole chelou là. Un totem à la con. L'œil du lynx. Ah, quoi, il y a encore un loup? Je te vois loup à la con. Arrête de bouger. Elle est partie toute seule, hein. Heureusement, j'étais sur la cible. Non, mais c'était pas un chevreuil, en fait. C'est un cyber-chevreuil. Voilà. Aucun animal n'a été blessé pendant le tournage de cette vidéo. Où est le cadavre du deuxième loup? Attendez, je suis con. Ah oui, non, mais d'accord. L'icône apparaissait au milieu des fourrés, je ne la voyais pas.
C'est pas un vrai chevreuil, voilà, ne vous inquiétez pas, les animaux ne sont pas blessés, ce sont des cyber-chevreuils. Et en plus, j'ai entendu que celui-là, particulièrement, il avait été accusé pour acte de pédophilie et de recherche de pédopornographie sur les internets. Du coup, il méritait de mourir. Encore un sanctuaire. C'est toi, le sanctuaire. Tu peux t'y bien vénérer. Ah ouais, moi aussi, ils m'ont vénéré. Oh, comment j'étais vénère. Ouais, cette blague était nulle. Ok. Je vais me m'auto-flageller, hein, 10 minutes après ce stream pour cette blague. Non, c'est pas ça que je veux faire. Et du coup, à chaque fois, ils me disent appuyer sur je sais pas quoi pour ramper. Mais à chaque fois, j'ai pas lu le bouton. Du coup, je sais toujours pas. On peut monter là-haut, là ? Ah non. Enfin, on pourrait, techniquement, mais le jeu nous dit non. Tu ne monteras pas là-haut. Est-ce qu'on peut faire un truc genre... Ouh ! Oh, encore un pédo-chevreuil. Oh, il a bougé la tête au dernier moment. Pam ! C'est un pédo-chevreuil. Je vous le rappelle, tous les chevreuils présents dans ce jeu sont accusés et eux-mêmes condamnés pour acte de pédophilie. Ils méritent donc tous de mourir. Voilà. Ah quoi ? Encore un loup ? Non, mais c'est trop tard. Vilain chien! Bah. C'est Y, je sais, c'est Y. Boum! Voilà. Oh, j'ai gagné un niveau. Alors, bon, pour la discrétion, c'est pas encore ça. Hein. Mais pour tuer les loups, ça va. Une caisse. Alors, j'imagine qu'il va nous falloir un milliard de matériaux à chaque fois pour améliorer le moindre truc. Parce qu'on nous a donné plus de 100 matériaux, du coup j'imagine il en faut 3000 par objet. Ouais, j'ai déjà 150 matériaux là. Alors, j'imagine que l'autre con il est là-haut, voilà. Je voudrais juste explorer encore un poil parce que j'ai pas tout exploré je pense par ce côté là. Ah ! Oui bah vous inquiétez pas, moi je me tape les ronces, vous regardez les inscriptions. J'imagine que plus tard on pourra éventuellement détruire les rounds. Non mais si, parce qu'après c'est là où on a tué les loups. Du coup on a fait le tour. Hein. C'est tous des chevreuils con bendit. Ouais. C'est des chevreuils bendit. Hop là. Bon bah non bah gros alors. On va aller voir le professeur Tournesol. Professeur Tournesol. Ah Tintin, c'est vous. On a un feu de on a le truc là, on peut pas le. Non. Ça, on peut toujours pas les utiliser. On nous a dit non monsieur. Est-ce que je peux utiliser le feu de camp tout de suite? Oui. Par où commencer? Bah par dépenser des points de compétence. Je m'appelle Lara Croft. Je suis archéologue. C'est un bon début. Je fais partie de l'équipage de l'Endurance qui a fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon. Tu faisais. À l'est du Japon. Cet endroit est incroyable. J'ai vu des épaves vieilles de plusieurs siècles. Mm-hmm. Nous n'étions pas les premiers. Très bien. Et je sais maintenant que nous ne sommes pas seuls. Est-ce que je peux dépenser mes points de compétence ? Il se passe des choses étranges sur cette île. Si je devais ne jamais partir d'ici, peut-être que quelqu'un finirait par trouver ceci. Ça y est, c'est bon. Je peux dépenser mes points de compétence. Merci. Alors, on va regarder. Du coup, ça, on a dit que c'était de la merde, on s'en foutait grave. On a pris le truc pour avoir récupéré les flèches. Oui. Donc là, je pourrais en plus fouiller les cadavres ennemis pour récupérer des munitions supplémentaires. Est-ce que c'est indispensable dans l'immédiat? Je suis pas sûr. Fouiller attentivement les cadavres d'animaux, récupérer des matériaux supplémentaires. Ça, par contre, ça peut être sympa. Pour l'instant, on a tué beaucoup plus d'animaux qu'on a tué d'humains. Mais j'ai l'impression que ça va bientôt changer. Chasseur, c'était quoi? Parce qu'éventuellement, ouais, si tir stabilisé, ça peut être sympa. Plus de munitions aussi. Allez, on va d'abord commencer par plus de munitions, histoire de... Voilà, pour commencer. Il faut commencer quelque part. Voilà, les fesses de Lara,
C'est cool. Très bien. On a dépensé notre point. Très bien. Alors ici par contre on peut pas fabriquer de trucs, on peut pas avoir la carte, on peut rien faire. Du coup voilà. On va continuer encore un peu, on a un peu de temps, on a encore un peu de temps. On va avancer un peu, on va aller voir ce que veut le professeur Tournesol. Attendez. Il n'y avait pas des autres flèches qui traînaient je sais pas où tout à l'heure que j'ai pas prises. Si, là. Vu que j'ai augmenté ma capacité en munitions, autant se remplir les poches. J'ai laissé un peu plein de flèches partout. Et après, promis, on parle au professeur Tournesol, on lui demande où est passé le sceptre d'Autocar. Et donc là, tous les jeunes doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte le vieux? C'est normal. Vous n'avez pas lu Tintin. C'est un truc de ma génération. Celle de mes parents, éventuellement. Mais vous, j'imagine que Tintin, ça vous parle très lointain. Un espèce d'animé dégueulasse. Ils sont fascinants. Je les ai déjà vus. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. En jugé par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Il n'y a pas de poignée. Ensemble. Ah non, c'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. Faut améliorer mon piolet. Ok, du coup, super, génial. Le professeur Tournesol nous dit d'améliorer notre sceptre d'Autocar. Super, du coup j'imagine que cette fois je vais avoir le droit d'utiliser le feu de camp pour améliorer des trucs, ça y est j'ai débloqué, c'est le mode tutoriel. Voilà, matériaux. Utilisez les matériaux récupérés pour améliorer votre équipement, vos armes dans le menu équipement. Donc là j'ai le choix, je peux améliorer le piolet ou améliorer le piolet, ça coûte 50, j'ai 150. Mais pourquoi des naufragés se mettraient-ils à vénérer une ancienne déesse du soleil japonaise? Bon on sait pas, on s'en fout. Allez, on achète. Renforcement. Voilà, on a renforcé notre piolet. On est passé d'un bout de bâton avec un vieil ossement à un joli piolet en métal, un truc stylé. Est-ce que je peux améliorer d'autres trucs? Non, j'avais que ça que je peux améliorer pour l'instant. Je peux pas améliorer mon arc. Non, compétences, équipement, d'accord. Ok. Du coup, j'imagine que maintenant il va se passer un truc. Ok, Lara, prête pour faire un essai? Ok. Et lui, il a quoi, lui, pour tourner la roue? Ah, lui, il a la poignée, en fait. D'accord, ok. Allez, tourne! Tourne le bouton. Le bouton tourne. Il se chantera des chansons. Attention! Attention! Et c'est comme ça qu'ils sont morts. Cette figure féminine sur le portail, étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la reine solaire. Himiko? J'ai l'impression non. d'entendre si. Sam, Dr. Whitman. Je sais que toute cette histoire a été assez traumatisante, ma chère. Mais nous devrions continuer à avancer. Il n'a fait aucun doute que Himiko... Himiko. Certains parlent de pouvoir chamanique. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Dit-il avant de prendre une balle dans la tête et de mourir. Dommage, ça aurait été drôle. Incroyable. C'est bien Himiko. Non, c'est Himiko. Regardez, le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Dr. Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine. Et ça, c'était une mythe. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Reculez. Il ne faut pas leur faire confiance. Vous avez encore une arme. Je ne veux pas d'ennui. Non.
Nous venons. Non. Mais j'exige. Mais quel blaireau. Vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous. Non. Je m'en occupe. Non. Non. Mais quel blaireau. Professeur Tournesol, s'il vous plaît. Respectez-nous. Ne leur résistez pas, Lara. Faites ce qu'ils demandent. Ce que j'aime bien, c'est que le mec voit que j'ai un vieil arc pourri en branche, mais il le ramasse quand même. Et ça, c'est beau. Mais qui êtes-vous, enfin? Qu'est-ce que vous... Lara! Allons, nos oiseaux crêtes, moitié! Leur faites pas de mal, je vous en prie! Yas, Kazao! Non, je suis apparu, en fait. Abelie ta fluche! Lâchez-la! Lâchez-la! Lara, go! Oh là là. Le romantisme russe, j'adore. D'accord, donc on est là. Et là, il y a ce mec qui me regarde. Mettez-vous à couvert. Et amène la prisonnière. On occupe. Et ensuite quoi? Qu'est-ce que... Maintenant? Alors? La elle a disparu! Continue de chercher! Dame, bonne issue! Oh mon dieu! Vous croyez que je peux passer là? Oh! Ça passe! Dommage. Un de ces ninjas! Ok. Du premier coup. J'y crois à mort. Par contre, arrête de faire. Non, rien. J'ai cru qu'il m'avait vu, mais en fait non. Yosh. Думаешь, спрячешься, кукла? Chut. Tu fais trop de bruit, Lara. От меня не уйдешь. А си же меня. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. А си же меня. Я всех сюда. О, j'ai le bon réflexe. Ah, un Mike Tyson. Elle lui a fait une Mike Tyson. Arrêtez monsieur, arrêtez monsieur. Vous voyez bien que c'est dangereux ce que vous faites. Allez, 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 allez. Lara, président, Lara, président. Ah. Le coup est parti tout seul, je vous promets, j'ai pas fait exprès. C'était son premier type, c'est ça? Les chevreuils, les loups, ça allait, mais les types, c'est un peu plus... C'est plus dur de tuer un homme que de tuer un chevreuil dans le gras du cul, quoi. Heureusement, il avait gardé mon arc. J'en ai de la chance. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait 40 000 gardes autour. Je viens de tirer une balle dans la tête du mec. Et personne n'a réagi. Hein. Alors. On est arrivé de par là. Est-ce qu'on repasserait pas sur... Mais je sais pas comment on change d'arme. On peut rentrer dans cette maison en feu? Je pense que non.
ici. Non. Non. Ah, il y a des mecs en bas. Attendez. Il y a un truc là-bas. Je pense que c'est le bon moment pour aller chercher un... Ah non, j'ai cru que c'était un truc, puis c'était un bord de planche. Oh la loose. Bon, et bah du coup, on se casse alors. On reste pas là, parce que quand ils vont trouver le cadavre de leur pote... Ah, merde. Il y a des mecs par là aussi. Excusez-moi, pardon. Vous voulez pas faire comme si j'étais pas là? Combien j'ai de balles? Pas beaucoup. Je pense que j'ai tout juste de quoi remplir un colt. Cache-toi, Lara. Baisse la tête, Lara. J'en ai une. Elle est descendue par là-bas. Elle est morte. Je sais pas. Laisse tomber. On sait que t'es là. T'as nulle part où aller. Ne vous approchez pas de moi! C'est bon, ils sont tous morts? Ah, pardon. On trouve des matériaux, très bien. Des munitions, on fait le plein. Toi aussi. C'est louche. C'est louche. Encore un peu, allez. C'est le moment d'ouvrir une porte avec mon super piolet. Oh, ah, ah, oh. Ah, je pense que c'était pas un super plan. Bim, on fait tout, on sort par le balcon. Ça craint grave, on saute par là. Hop là, oula. On ramasse des munitions. J'entends plus rien. Qu'est-ce que t'en penses? Aide-moi, aide-moi. Ah, on m'a redonné mon arc, dis donc. Il est là pour éliminer vos ennemis en silence. Arrête de bouger. C'est raté. Je peux pas. J'ai oublié de le tuer en plus. Là je l'ai eu. Non, apparemment les cadavres ils donnent pas de balles. Ils donnent des flèches. Soit dit en passant. Hop. Voilà. J'ai récupéré mes flèches, par contre. Pas les balles. Peut-être qu'ils n'avaient pas de balles sur eux, hein. Après, peut-être que d'autres m'en donneront. Je suis pas encore au max des balles, du coup je vais continuer de ramasser des balles. Et là on va où? Là-bas? YOLO! Alors voyons ça. Portefeuille. Téléphone cassé. Ah, toujours les mêmes merdes. Toujours les mêmes merdes, c'est pas très sympa. Non, un bateau de recherche scientifique. C'est plutôt une bonne prise alors. On le saura bientôt. Qu'est-ce que c'est? Attends-moi d'aide! Je me fais tirer dessus! Qu'est-ce qui se passe en bas? Tout va bien? Tu es là! Boum! Pleine tête. Un de ces snipers. Ils ne savent pas pourquoi ils sont morts. Enfin, sauf lui. Lui, il a eu le temps de voir la flèche en pleine tête arriver et se dire genre, ah, mince, j'ai perdu. Du coup, tant mieux, on a une échelle. Parce que si, sinon, comment j'aurais fait pour monter? Tu es là? Oui. Non. Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien? Oh mon dieu, Ross. Super. Ça va mal ici. C'est ça va super bien. Quoi? Qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs, je... Je n'avais pas le choix.
Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Bon, et bah... alors, petite pause. On va faire une coupure ici, voilà. Pour cet épisode de Tomb Raider, premier épisode du reboot. Je vous remercie tous d'être venus voir Lara en train de défoncer la tronche des Russes et le cul des chevreuils. Je vous remercie, je vous invite à mettre des pouces bleus, à faire des commentaires, à partager la vidéo et surtout à me retrouver dans le prochain épisode pour vivre les aventures de Lara Croft dans Tomb Raider. Voilà, des bisous, bye bye.